Ils se virent ainsi pendant près de 2 ans, tous les mardis à 16 heures précises. Héloïse, elle lui a livré son prénom un jour comme ça. Héloïse était fascinée par la culture de Monsieur Jean. Quant à lui, il était souvent troublé par la finesse et la profondeur des analyses qu'elle faisait des lectures. Leur discussion, Monsieur Jean redécouvrait tous les classiques. L'imaginaire, les trois mousquetaires, je n'ai jamais les fleurs du mal, l'éducation sans commençant, ils montent la vie de l'histoire, le hussard sur le toit et tous les rougons matins, les connus, l'inconnu, l'étranger d'Albert Camus, à la recherche du temps perdu. Chaque prévère à Polinaire.